Sur un tout autre volet, eh bien, l'une des plages les plus prisées du Gabon, celle du lycée national Leomba, s'est vidée de ses foules du week-end depuis l'annonce du confinement partiel. Malgré tout, les opérateurs économiques qui exerçaient sur ce site mènent toujours leur activité. Cependant, ces derniers éprouvent des réelles difficultés pour faire écouler leurs marchandises. Le constat de nos reporters Henrique Bokoko et Victor Mundunga. Espace attractif, la plage du lycée national Leomba est isolée de toute activité de loisirs. Une faible fréquentation qui est loin d'anéantir le sens de la débrouillardise de cette dame qui excelle dans la vente des noix de Badame. En cette période de confinement partiel, elle a du mal à faire marcher son business. La plage est fermée. Des fois, je viens toute la journée, je vends une bouteille de 1000 francs. Oh, je vends des bouteilles de 1000 francs. Je ne peux pas économiser pour payer le loyer de la maison. Même cas de figure pour son voisin fleuriste. Nous avons écoulé quelques produits à la fête des mères. Ça, il faut être franc. Mais malgré ça, il y a ceux qui sont restés qu'on a dû jeter à la poubelle. Pour le reste des activités économiques pratiquées sur cette plage d'ordinaire très fréquentée, le constat est similaire. Je suis photographe professionnel depuis, mais depuis les temps qu'il y a le confinement là, il n'y a rien. Les gens ne viennent même pas à la plage ici, là, rien. Les cocos, quand même, ça se passe quand même bien. On remet ça à Dieu. C'est mieux aller voler des choses de quelqu'un. Bien que la plage soit fermée au grand public, ce lieu très prisé reste un endroit privilégié pour décompresser et s'évader. On s'ennuie énormément. Donc je me suis dit, comme j'avais l'habitude d'aller à la plage du lycée Mba prendre de l'air, et puis j'ai eu l'envie de venir prendre de l'air. Les turlupines du couvre-feu ont ébranlé les activités des débrouillards qui jadis écoulaient leurs produits ici à la plage. Ce lieu idyllique est dépourvu d'affluence en cette période de lutte contre la Covid-19. Ici, au bord de mer de Libreville, pour Gabon Première, Henrique Bokoko et Victor Mudunga.